pour expliquer à ceux qui sont dehors la bonté, la grâce de ce que tu as expérimenté. Dis amen. Amen. On vient acclamer Jésus. Amen. Donc, je vous dis quoi? Je vous dis que Dieu lui-même, il vous a mis dans une dimension. C'est tellement intéressant. On plane comme ça, on vole. Alléluia. Amen. Quand je marche, les gens croient que je me moque de moi, ils ne me moquent pas de moi. Moi, j'expérimente ce que Dieu fait. Donc, il me regarde, je ris. Il dit, mais vous riez pourquoi? Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas de vous, je ris. Dis à ton voisin, c'est pas de toi. C'est pas de toi. C'est pas de toi. Mais je suis entré dans la cour royale, dans l'onction. Là où tu as la paix, là où il y a la restauration, là où il y a la vie, là où tu as tout. Qu'est-ce que ton patron va te donner de plus grand que ce que Jésus te donne? Amen. Hein? Amen. Donc j'expérimente ça et puis je protège ça. Dis à ton voisin, je suis dedans. Je suis dedans. Je suis dedans. Je suis dedans. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut m'arracher ça. Personne ne peut m'arracher ça. Je peux prendre ma voiture. Je peux prendre ma chaussure. Je peux prendre mon Dolce & Gabbana. Je peux prendre mon Versace. Tu peux prendre mon Guess. Mais bon Jésus là. Dis bon Jésus là. Bon Jésus là. Amen, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Les anglophones disent. It's mine. It's for me, c'est ça? It's mine. It's small. C'est ça? C'est pour moi. Amen. Amen. Dis à ton frère, yes. 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 Fais yes. Comme ça. Yes. Non, mais fais avec vie. Yes. Yes. Écoutez, moi je vous dis quelque chose là. On a tout ici. Hein. Amen. Tu as tout. N'a pas besoin de rencontrer un homme de Dieu pour dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Jésus qui est en toi là, tu as tout. Amen. Quand tu fais les choses, fais avec conviction. Amen. Fais comme ça. Yes. 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 Mais quand tu fais yes là, faut sourire. Mais après, faut sourire. Parce qu'il ne faut pas faire comme si on t'a obligé. Comment vous voulez convaincre quelqu'un avec une atmosphère d'obligation? Ça ne marche pas. Quand tu as mon visage là, est-ce que ça va quelqu'un qui a un problème? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que ça va quelqu'un qui a un problème? Alléluia. Est-ce que ça va dire qu'il y a un problème? Non. Donc quand il dit yes là, quand il dit yes, il parle à quelqu'un, lui-même il me regarde là. Il croit parce que quand il a mon visage, il veut lui-même l'expérimenter la joie là. Parce que moi je ris tous les jours à cause de Jésus. Mais lui, pourri là, il doit aller prendre vacances à Las Palmas, à la plage. Pourquoi mettre des jours ou deux jours pour voir comment vous êtes beau, vous êtes belle? C'est ça. D'une personne qui a Jésus. Parce que quand tu as Jésus, il te révèle par son alliance que tu es son enfant. Si Dieu t'approuve là, tu es beau. Vous comprenez? La vraie beauté, la valeur d'un homme, la valeur d'une femme, c'est la puissance, la capacité surnaturelle du Saint-Esprit, de l'approbation de Dieu en toi. Amen. 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 Dieu t'a approuvé, personne ne peut aller contre toi. Amen. 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 Non, regarde ton voisin, dis-lui, regarde-moi bien. Bon, attendez. Si vous n'avez pas la foi. Amen. Donc moi, je ne vous oblige pas. Amen. N'est-ce pas? Donc quand il fait la foi, fait ça délibérément. Vous comprenez? L'adoration, c'est l'expression à la fois spontanée et consciente, imposée et voulue. La réaction complexe de l'homme, saisie par la proximité de Dieu. Amen. Hein? Pani. Toi, tu n'as pas compris. L'adoration, c'est l'expression à la fois spontanée et consciente,
imposée et voulue. De la réaction complexe de l'homme saisi par la proximité de Dieu. Amen. Donc, quand on est saisi par la proximité de Dieu, je lui rends hommage. Hein? Je lui rends hommage. Hein? Je suis content. Je m'en bien. C'est ça, non? Je le réveille. Alléluia! Acclame encore ton Dieu! Dis à ton frère, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Amen. Amen. Je vous ai annoncé dimanche passé que aujourd'hui nous aurons un invité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Sinon des invités. Ben, nous avons une oratrice spéciale. Dis avec moi spéciale. 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 Alléluia. Amen. Ah, je vous ai dit, hein, dimanche passé, je vous ai dit que elle est remplie de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Elle est remplie de la puissance de Dieu. Vous savez, hier, je priais, je priais, je priais, je priais toute la nuit. Je suis un homme, mais je le dis ouvertement. Comprenez? Je le dis ouvertement. L'Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a dit que nous sommes dans le temps des femmes. Amen. 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 Elle a compris. C'est bien. La femme qui n'a pas acclamé, c'est toi qui n'a pas acclamé. Un homme, je peux vous dire par orgueil, l'Esprit m'a dit je laisse ça dans ma maison tranquille dans mon cœur. Mais j'ai plus le courage, je vous ai dit, parce que Dieu là, affaire de Dieu, c'est clair. Dieu dit nous sommes dans le temps des femmes. Amen. Donc la femme qui connaît sa valeur là, alléluia. Amen. Cette femme là, hein, va bouleverser sa génération. Amen. 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 Et je vous ai dit aussi que dans l'affaire du Saint-Esprit là, il n'y a pas affaire de tuer garçon ou femme. La différence est marquée par le Saint-Esprit Amen. Lui-même. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu peux être homme et puis tu n'as pas d'autorité, tu n'as aucune identité spirituelle. Puis tu peux être femme, c'est toi qui portes ton mari comme ça, si tu le laisses là, c'est fini. Et quelles sont celles qui ont découvert que le Congo était vide? C'était des femmes. C'est le temps des femmes. Et l'oratrice qui va passer cet après-midi, je suis sûr et je sais, et Dieu m'a dit que sa venue ici là est prophétique. Amen. Prophétique pour qui? Pour les femmes. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui là, à la mission internationale des guérisons, des délivrances et des miracles, c'est la journée des femmes. Amen. Et je crois en son ministère, je crois en son notion. Et je crois que quand tu vas la voir, amen, amen, le fait de la voir parler au micro là, ça sera un message pour te dire que ton temps est arrivé, femme. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Et en même temps, c'est un message pour toutes les femmes qui sont en train de suivre le col prophétique et pastoral avec moi. Pour vous dire que ce qu'on vous a fait croire Dieu, c'est du mensonge. Mais c'est ce que Dieu a dit de vous là. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. Donc c'est ce que Dieu a dit de toi. C'est ça qui va s'accomplir. Amen. Amen. Un pasteur qui m'a dit une fois, il dit, mais prophète, la Bible dit que les femmes là, normalement les femmes ne doivent pas prendre la parole devant l'assemblée. Amen. Amen. Je lui ai répondu par deux choses. La première chose, je dis, tu verras tous les hommes de Dieu qui ont bouleversé les temps depuis le Nevi'im, le Ketavim.
Il s'en va où encore? Hein? Tous les grands hommes de Dieu qui ont bouleversé des générations, depuis la Torah, le Neviim et le Ketavim, ils sont venus par des femmes. Amen. Bon, toi tu dis que tu es prophète, tu es pasteur, tu es docteur, tu es apôtre. Si une femme t'a pas mis au monde là, dis-moi, tu as fait ça comment? Dis à ton père, tu as fait ça comment? Alléluia. Moïse là, c'est ma femme qui a mis au monde. Amen. Amen. Donc, je lui ai dit ça, il s'est calmé un peu. Dis à son frère, il s'est calmé. Il s'est calmé. Il s'est calmé. Il s'est calmé. La deuxième confirmation, je lui ai dit, si tu me convaincs, le sexe du Saint-Esprit, si tu m'as convaincu, à ce moment-là, moi, je ne fais plus, je ne crois pas au ministère des femmes. Si tu ne me dis pas le sexe du Saint-Esprit, ah, on a écouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est garçon, mais il est femme. Dieu est garçon, mais il est femme. Il réfléchit, il dit Dieu est esprit. Il dit ok. Donc, comme Dieu est esprit, ça veut dire que l'esprit là qui est dans le gamin de 10 ans, là, ou dans la femme, là, dans l'homme, là, c'est le même. Maintenant, la différence sera marquée dans la démonstration de la pratique. Voilà. Dis amen. Elle va parler. Ouvrez vos cœurs seulement. Amen. Parce que le ciel est ouvert du Saint, grande onction. Dieu va l'utiliser pour vous parler. Amen. Amen. Que cela soit une puissance pour vous, les femmes. Amen. Amen. Les hommes, je ne vous ai pas oublié. Hein? Moi-même, je suis un homme, hein? Mais pour l'instant, là, le Saint-Esprit, c'est avec les femmes qui veut travailler. Amen. Donc, on va le laisser travailler. Les prophètes ont parlé. Moïse est venu, il a fait son temps. Quand son temps est passé, il y a un autre qui est venu. Après, on a entendu Samuel. Chacun est venu, il a fait son temps. Donc, aujourd'hui, là, c'est la journée de la femme. Amen. 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 Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec son mari. C'est un couple complet, dit complet. Complet. Parce que son mari est apôtre. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je vous ai déjà dit, vous aurez l'occasion de le voir aussi parler. Parce que lui, quand il parle, si tu es voleur, là, tu vas arrêter de voler. Parce que lui, il est carré, il est sec, il dit la vérité. Amen. Amen. Et aujourd'hui, là, sa femme va vous introduire. Amen. Amen. Et puis, la suite des temps, Dieu fera. Amen. Amen. On se connaît, hein, l'évangéliste Nancy, depuis longtemps. Amen. Amen. Et à cause des circonstances, on n'a pas eu l'occasion de se croiser vraiment beaucoup pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que moi, j'étais un temps, soit peu, en Normandie, en train d'œuvrer là-bas. Elle aussi était à Paris et dans ses déplacements. Mais Dieu a permis, après, par la suite des temps, que la connexion puisse se faire à Paris ici pour exploser sa gloire. Amen. Dis amen. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. Pas une dénomination, mais le royaume de Dieu. Amen. Amen. Dieu l'utilise puissamment dans la parole, dans la guérison des malades, dans la délivrance, dans la restauration. Amen. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout. Dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Seigneur. Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Seigneur. Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Seigneur. Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Amen.